Inscrire le FESPACO dans cette organisation était une de notre grandes volontés et ça permet au FESPACO aussi de sortir aussi de son confort habituel de ses, et aller chercher aussi de nouveaux partenaires dans le monde entier. C'est vrai que nous parlons du cinéma africain de la diaspora, mais les moyens de distribution, les moyens de diffusion, les moyens de production sont divers. Et c'est de pouvoir permettre au cinéma africain aussi d'être en contact aussi avec un public aussi qui n'est pas qui n'a pas l'habitude de voir le cinéma africain et arriver à montrer à travers le FESPACO, à travers disons cette organisation-là, ça permet au FESPACO d'être au Festival de cinéma de Shanghai par exemple, être en Asie et ce qui va permettre aux Asiatiques, aux Chinois et autres populations de voir le cinéma africain. Parce que pour renforcer une industrie cinématographique, il ne faut pas se contenter de la consommation locale, il faut aller au-delà de son lieu et cela va nous permettre de pouvoir faire connaître le cinéma africain dans le monde entier. En partenariat avec le Festival de cinéma de Shanghai, nous travaillons beaucoup plus dans la programmation de ce artistique de ce festival-là. Et nous serons bientôt au mois de juin, je crois fort bien, au Festival de Shanghai. Et nous travaillons aussi à ce que quelques représentants du Festival de films de Shanghai soient au FESPACO pour pouvoir nous parler de l'industrie du cinéma chinoise et de pouvoir nous faire des masterclass avec des réalisateurs chinois. Et justement, nous aussi, il y a quelques mois, on a organisé au sein du FESPACO la semaine du cinéma chinois. Cela montre à travers le Festival de Shanghai, cela montre en quoi nous, bien vrai que nous parlons du cinéma africain, de la diaspora aussi, nous avons un œil ouvert aussi sur les autres formes de, sur les autres nationalités du cinéma. Et nous espérons bien, fort bien, qu'on aura des Chinois à la prochaine édition du FESPACO.